Hein? Ok, à tout à l'heure. Ouais, la connexion est venue maintenant, je vais débuter. Ok. Coucou. Ah. On dit quoi? Vous m'avez manqué, mes amours. Tranquille. Attendez, j'ai bien bloqué ça. Parce que j'ai pas assez de temps. Tranquille. On dit quoi? Vous vous portez comment? Adèle Kwasi, comment vas-tu? Tranquillement, tranquille. Hein? Aujourd'hui, on va causer un peu. Parce que je vais vite faire pour vite sortir. Tranquillement. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Que la famille se porte bien. Que ton chéri se porte bien. Que tes enfants se portent bien. Maintenant, si nous tous, on se porte bien là, pour qu'on cause pas un peu. Deux jours là, il y a trop de femmes qui me demandent Lolo beauté. Attendez, un appel à la. Désolé, un appel très urgent. Voilà, tranquillement, désolé. Mais t'as assez de cœur, il y a quoi même? Il y a quoi? Maman de Juju est là et puis vous êtes nerveux comme cela. Tranquillement, tranquille, on doit être en joie. On doit être pimpante. Hein? Emeline, elle dit, tu nous as trop manqué. Mais elle vous a manqué comment? J'étais là. Tranquillement, tranquille. Je suis toujours là. Deux jours là, il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent. Ah, Lolo beauté, tranquillement, tranquille. On a besoin de conseils. Ne fais pas, ils vont bloquer mon Facebook là. Est-ce que vous voulez que je parle de la pipologie? Aujourd'hui, pardonnez les enfants, mettez-les à côté. Mettez-les à côté. Parce qu'aujourd'hui, je vais rentrer dans une dimension sexologue que vous-même, vous allez dire non, Lolo beauté, yes. Mais t'as assez de cœur, on se causait ici là. Aujourd'hui, moins de 18 ans, mettez-vous à côté. Je vous ai prévenu d'abord. Mettez-vous à côté. Aujourd'hui, on ne parle pas de pommade. Celle qui veut pommade là, écrivez-moi en WhatsApp. Là-bas, on gère la peau. Mais aujourd'hui là, on va parler de comment attraper une fois de plus encore les couilles bien juteux de nos maris. Si vous voulez pas qu'on parle de ça là, mais ne mettez pas assez de cœur. Hein. Mettez les visages froissés et puis je vais arrêter. Parce qu'il y a des femmes qui m'écrivent en privé. Lolo, on a besoin de conseils. Vous-même, vous ne me voyez pas gros ventre là. C'est que moi-même là, j'aime ça. Ramadan ou pas, mon ami. Si tu sais que tu es en carême, mon ami, tu n'es pas obligé de rester ici. Si tu es en carême, mon ami, quitte là. Parce que c'est dans le poil même, on sera. Si vous êtes en carême, mettez-vous à côté. Parce que là, ce n'est pas tout le monde qui est en carême. Moi, je ne suis pas musulman, mais je respecte les musulmans qui sont en carême. Donc, ceux qui sont en carême, pardonnez. Parce que vous, là, vous êtes là les premiers. Ah, je suis en carême. Mais vous êtes connectés pour suivre tout ce qui va se passer dans les poils. Tranquillement, tranquille. Donc, arrêtez de jouer au sein, là. Nous tous, on est dans les poils. Mettez assez de cœur. Je vais commencer. Je n'écris pas en privé. Celles qui m'écrivent en privé là, pour dire Lolo beauté, donne-nous conseil là. Moi, je ne donne pas conseil en privé. Si tu veux conseil en privé là, c'est 200 euros. 30 minutes. Voilà. Voyez-vous là, quand on vous dit c'est payant là, vous n'écrivez plus. Mais quand on dit c'est gratuit là, vous écrivez. Ne m'écrivez pas en privé. Tout se passe ici. Papa Naz, tu es en carême, déconnecte-toi. Déconnectez-vous ceux qui sont en carême là. Ben, j'ai l'impression même que c'est les musulmans là même qui aiment ça. Ne me dites pas que je suis l'envoyé du diable. Je vais sauver ceux qui ne sont pas en carême. Tranquillement, tranquille. Il y a des femmes qui m'appellent Lolo Beauté. Il faut me dire un peu comment attraper les couilles. Quand on dit les couilles là, c'est le sexe de ton mari. Tranquillement, tranquille. Ma chérie, il n'y a pas mille manières. Non, je vais répéter encore. Il n'y a pas mille manières. Parce que nous, les femmes africaines, là, on aime fermer notre bouche. Je ne sais pas pourquoi. Tu es avec un mec,
Tu es avec ton chéri. Tu n'as pas envie de le tromper. C'est lui, tu veux qu'il attrape et il tresse tes poils. Ma chérie, la nuit, là, vous causez de quoi, toi et ton chéri? Vous causez de quoi, toi et ton chéri? Nous, les femmes, là, on est des grandes vicieuses. Les hommes, nous, les femmes, là, on est des grandes vicieuses. Donc, souvent, là, pour nous faire plaisir, là, si une femme n'ouvre pas sa bouche là, toi l'homme, faut lui demander, ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te fasse au lit? Tu vas apprendre que ta femme peut tourner film porno, réaliser et mettre ça en scène pour te donner. Tranquillement, tranquille. Nous, les femmes africaines, on n'ouvre pas notre bouche. On aime le sexe. Oui, c'est le blanc qui aime le sexe. Qui a dit ça? Femme africaine, peau noire, aime pin. De garçons africains bien tendus, plus que blanches. C'est nous, on joue les saintes. Ah oui, on va jouer un peu les saintes là. Oui, moi je n'aime pas trop ça, ma chérie. Fais asseoir ton homme. Faut lui dire, bébé, quand tu me prends là, je ne suis pas satisfaite. Je ne sais pas pourquoi les femmes sont frustrées quand elles ne sont pas satisfaites au lit. Et puis elles sont dans une relation et puis elles continuent pendant 10 ans, 20 ans. Tu fais asseoir ton mari, soit un petit dîner, tranquillement, tranquille, pour lui dire ce que tu aimes. Quand vous êtes au lit, tranquillement, les pasteurs, les imams là ne vous enseignent pas ça à l'église. Mais moi, j'ai venu vous enseigner ça sur la toile. Actuellement, on a 656. Si tu es en carême, va t'asseoir. Oui, darling, j'espère que tu te portes bien. Mais vous êtes connectés, ma chérie. Fais asseoir ton homme. Faut lui dire, bébé, voilà les positions que j'aime. Parce qu'on a remarqué que les garçons, là, vous n'aimez pas faire jouir les femmes. Ah oui, mais c'est vous-même qui connaissez toutes les stratégies pour que nous, les femmes, on utilise notre bouche là pour vous faire la pipe. Mon ami, ne sois pas ingrat au lit. Pourquoi vous êtes ingrat, vous les garçons, là, au lit? Après, quand on va vous dire que oui, vous ne foutez rien au lit, les garçons, là, les voilà, les machos. Oui, bah, tu as vu comment j'étais pris? Tu as vu comment j'étais pris, mon chéri? Faire l'amour et faire jouer une femme là, c'est pas la brutaliser. Il y a une grande différence entre brutaliser une femme au lit et puis lui faire correctement l'amour, tranquillement, tranquille. Parce que la plupart des hommes africains, ils aiment brutaliser. Quand ils sont au lit avec une femme, faut les voir, ils sont en train de piler foutou dans les parois. Hippo, ici, hippo, hippo. André, tu es un maître aïkido. Tu fais le karaté? Mon ami, l'amour, c'est pas la violence. Et quand la femme est en train de crier, lui, il est là, ah oui, tu vois comment je te cogne? Tu vois comment je te cogne? L'amour, c'est pas cogner. A réussi à la faire jouir. C'est là qu'on appelle un vrai homme. Tranquillement, tranquille. Parce que moi, j'avais un mec qui était dans l'hôpital. Oui, du corps médical. Je m'ai chéri, il m'a breaké, j'ai accepté. Tranquillement, on allait passer un week-end. Façon, le gars là m'a blessé là. Et on finit le matin, voilà le bougaï maintenant qui s'élève. Tu as vu comment j'étais cogné? J'ai dit, mon ami, tu m'as blessé. Allons directement à la pharmacie. Je vais acheter des médicaments pour soigner tous les plaies que tu as mis en moi. Je n'ai même pas joué une seule fois. Au contraire, j'étais très sèche. Et tu m'as très bien blessé. Il y a une différence. Ah oui, j'ai une différence. Tranquillement, tranquille. Quand tu prends une femme, mon ami, que tu aimes, on n'a pas dit baiser. Il y a une différence entre baiser une femme et faire l'amour à une femme. Quand tu baises une femme, tu es brutal. Oui, mais quand tu fais l'amour à une femme, tu commences par les préliminaires. Les préliminaires, c'est-à-dire bien sucer les lèvres de la femme. Bien sucer son cou. Descendre jusqu'au point G, c'est-à-dire ses poils. Lécher la femme d'une manière extraordinaire et vertigineuse. Tant que tu fais l'amour à une femme, que ses pieds ne tremblent pas comme ça. Quand ses pieds-là ne tremblent pas, là, mon ami, c'est que tu n'as rien fait. Réussis à faire trembler les pieds d'une femme. Et lorsque les pieds d'une femme sont en train de trembler, mon ami, c'est que le lubrifiant est en train de monter jusqu'à la tête. Et quand elle va finir, là, c'est la jouissance qui descend. Mon ami, elle aussi, à son tour, elle va te prendre d'une manière extraordinaire. Faire l'amour, ça s'apprend.
C'est comme un match de football où il y a un attaquant, il y a un défenseur, il y a un gardien de but. Et vous deux, vous jouez dans la même équipe. Donc apprenez à vous comprendre. Apprenez à manipuler le ballon, c'est-à-dire le sexe que vous avez. C'est très important. Tranquillement, tranquille. Mais tu ne fous rien, la femme est chez toi à la maison. Tu ne fous rien. Et après, vous vous étonnez qu'une femme vous trompe. Je suis contre qu'une femme trompe son mari. Mais mon ami, souvent nous les femmes, là, on a honte. Et on a peur même souvent de dire à un homme, faut me faire comme ça, faut me faire comme cela. Mais aujourd'hui, toutes les femmes doivent montrer cette vidéo-là à leur mari pour qu'il puisse changer. Vous savez, les hommes ne sont pas aussi compliqués que ça. Il suffit d'ouvrir la bouche et de leur dire la sensation qu'on a. Et ils vont se mettre en pratique, tranquillement, tranquille. C'est ça la vie. Combien de personnes sur cette page-là ont une fois dit à leur mari, voilà mon désir sexuel. Ça n'existe pas. Parce qu'en Afrique, dans notre culture, on nous interdit de parler de sexe. C'est très décevant. C'est très décevant. Ma chérie, apprends à parler de sexe entre toi et ton mari. En tout cas, moi, quand je suis avec mon chéri, même si le bout de mes seins me démange, j'ai dit, bébé, mets ta langue là-bas et puis suce-moi les seins. Parce que je ne peux pas prendre mes doigts pour démanger, pour me gratter. C'est ta langue qui doit faire le travail. Et quand tu me suces comme ça, je sens que j'ai un homme à côté de moi. C'est ça la vie. Dans un couple, il faille bien qu'il y ait des vices entre toi et ton mari. Tranquillement, tranquille. N'attendez pas, oui, on va aller au lit, ma chérie. Ton mari a une petite voiture, même si c'est woro-woro gâté. Ma chérie, même dans la voiture, souvent là, tu peux dire, bébé, faut te garer quelque part ici, j'ai envie d'uriner. Il va dire, comment ça, il va garer, ma chérie. Tu enlèves sa bretelle. C'est comme ça on appelle, non? C'est qui en bas? Tu enlèves, tu te glisses, tu dis, détends-toi. Tire le siège. Il faut que tu sois détendu, bébé. Tu es trop nerveux. Où je te vois, il faut que je te détende d'abord avant qu'on arrive à la maison. Il se couche très bien. Tu lui fais une petite pipe à la volette. Tranquillement, tranquille. Quand ton homme est détendu comme cela, là, ma chérie, l'amour règne entre vous. Les femmes africaines, arrêtez ça. Vous trouvez que mon sale crayon l'a fait peur. Mais mes chéris, c'est comme ça que je frappe dans les parois. Et il n'y a pas un homme qui a dit, Lolo beauté, je te laisse. C'est moi, je laisse. Si tu es nul, là, je te laisse. Donc, apprends à être à la hauteur de mes vices. Tranquillement, tranquille. Tu enlèves sa braquette. Tu balances un peu tes doigts au bout de ses seins. Et tu lui fais une pipe à la aromatique. Tranquillement, tranquille. Quand ils sortent, il y a des personnes, il y a des garçons là. Même s'ils ont laissé leur ex, ils se rappellent toujours d'une fille. Tu ne sais pas pourquoi. C'est parce que cette fille-là, elle avait des vices que lui, ça le satisfaisait. Tranquillement, tranquille. Il y a des garçons qui disent, je ne peux jamais oublier mon ex. Malgré que je suis mariée, pose-toi la question, pourquoi ton garçon, ton homme te dit, je ne peux jamais oublier cette fille. C'est parce que cette fille démontrait de A plus B qu'elle s'est manipulée les couilles de ton homme. Tranquillement, tranquille. Apprenez ça, ça va vous faire du bien. Souvent, les hommes sont trop tendus. Ils sont trop nerveux. Donc, ma chérie, toi, ton arme que Dieu t'a donnée, là, c'est l'art de la séduction et de la pipologie. Tranquillement, tranquille. Maintenant, vous aussi, les hommes, c'est pas parce que je suis sur les femmes pour dire oui, on a qu'à vous détendre. Vous aussi, les hommes, là, apprenez à vos femmes aussi à vous faire bien. Ce que tu cherches au dehors, là, ta femme peut le faire. Il suffit d'ouvrir ta bouche et de lui dire, maintenant, vous, les femmes, là, arrêtez d'être trop gawaze. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Après qu'on vous vole vos maris là, vous trouvez que oui, ils ont volé mon mari. Ma chérie, bague là, c'est dans main. Ce n'est pas sur testicule d'un homme. Non, ma chérie, ce n'est pas sur testicule d'un homme. Si tu veux que la bague se trouve sur les testicules de ton homme, il faut apprendre à les peser et à les tenir dans ta main. Tranquillement, tranquille. Donc vous les femmes là, souvent quand vos garçons rentrent, oui bébé j'ai envie de faire ça, les femmes gawazes là, elles ont attaché un morceau de panne, ah toi t'es gâté hein,
tu aimes ça, hein, tu es gâté, hein. Moi, je n'aime pas les trucs comme cela. À l'église, on dit, faut pas, on va faire ça. Hey! Dans quel verset de la Bible, ils ont interdit une femme à sucer son mari? Les pasteurs, là, venez me le dire. Dans quel verset de la Bible, ils ont empêché un homme à bien faire l'amour à sa femme? Tranquillement. Voilà pourquoi dans les foyers chrétiens, là, il y a tout le temps des divorces. Mes chéris, mes mamans pasteurs, là, souvent, la fête réunion des femmes mariées. Fête réunion des femmes mariées. Parce que la plupart... Ah oui, on attaque ma vidéo, là. Mais je vais terminer ça. Tranquillement, tranquille. Les mamans pasteurs, fête réunion des femmes mariées. Sur toi-même, parce qu'il y a plein de mamans pasteurs aussi qui sont nuls. C'est-à-dire vous-même, là, les mamans pasteurs, là. Vous n'arrivez même pas à satisfaire vos papas pasteurs là. Donc les petites filles à l'église, elles vont vous arracher vos maris. Quand on dit un pasteur trompe sa femme, c'est parce que toi la femme tu es nulle. Ah oui, la Bible, je vais prier les démons ma chérie. Il y a des démons qui ne partent que par la jouissance. Apprends à ce que ton mari jouisse. Le dimanche quand il va aller à l'église là, il va déverser l'onction et le pouvoir du Saint-Esprit sur les gens. Un pasteur qui jouit bien est une arme que Dieu peut bien utiliser pour le peuple. Parce que femme de l'église ne va plus regarder. Les jolies filles de l'église ne vont plus regarder. Parce que quand ils regardent, ils commencent à rire. Et quand ils prêchent et puis ils disent « ri, baba, baba », ils imaginent comment sa femme va le prendre la nuit. Vous savez, les pasteurs, ils ont des petites techniques là. Genre les petits pasteurs choco, ils sont là quand ils disent « ri, baba, baba ». Un pasteur qui aime toujours prêcher puis il regarde sa femme là, c'est pas pour rien. C'est parce que sa femme là, elle tient ses couilles dans ses mains. Elle tient ses couilles. Même pasteur qui prêche et puis il oublie sa femme là. Mon pasteur, arrête de prier, de chaîner. Commence à regarder les vidéos de Lolo Beauté. Commence à chicoter la nuit ton mari. Attrape ses couilles. Arrête de dire tue-moi. Tu mets tes deux pieds en l'air, tu dis bébé monte sur moi. Non, tu dis couche-toi. Toi-même tu pompes. Tranquillement, tranquille, tu le pompes jusqu'à... Il va crier au hier sur le Saint-Esprit m'a parlé. Tranquillement, tranquille. Il faut arriver à faire jouir ton mari quand il dit le Saint-Esprit me parle. C'est très important. Les mamans pasteurs Gaoula, c'est vous qui vous sapez. Vous êtes toujours à l'église, pourtant vous êtes nul au lit. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Prier, c'est bon. Mais démontrer la prière, c'est très capital. Tranquillement, tranquille. C'est très capital. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de trop parler. Oui, tranquillement, tranquille. Je n'ai pas envie de trop parler. Si tu trouves que dans ma vidéo, j'ai blasphémé, mon ami va prier contre moi. Mais je sais que cette vidéo-là, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Parce que si Dieu ne cautionnait pas les histoires de sexe, et puis comment bien baiser, là, il n'allait pas créer con et pipi. Ah oui, ces deux choses, il n'allait pas créer. S'il a créé ça, c'est que ça a son importance capitale. Ça a une manière de détendre l'être humain d'une manière extraordinaire qu'il voit les anges commencer à prier le Seigneur et les démons à l'enfer. Tranquillement, tranquille. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Seyd, il dit si tu es en carême, il faut quitter ici. C'est parce que tu es vicieux que tu es ici. Donc quand j'ai fini de prêcher, on dit en carême, on ne chicote pas femme, mais vous vous chicotez les femmes, on se connaît ici. Donc arrêtez de jouer au sein. Nous tous, on est dans le poil ici. Tranquillement, tranquille. Donc c'est très important, ma chérie. Il y a des hommes là, eux, ils ne regardent pas beauté physique de femme. Ils s'en foutent de ça. Les femmes qui se disent, oui, moi je suis jolie, toi tu es moche, ma chérie. Prête-moi ton mari une nuit. Et on va voir qui est belle entre nous deux. Je vais te montrer que la beauté d'une femme, ce n'est pas ce qui est sur son visage, mais c'est la détention de l'arme massive qu'elle a en bas d'elle et l'intelligence de jouer avec la pensée de ton homme et de le faire jouer à une extrémité. Tranquillement, tranquille. Mais t'as assez de cœur, je vais prêcher là. Tranquillement, tranquille. Parce qu'il y a des femmes, elles sont frustrées. Quand elle voit les vidéos où elle ne s'attend pas à ça, ah oui, regardez comme elle est moche, ma chérie.
Regarde la fossette. Même dans la fossette, il y a des hommes là. Et quand ils attrapent une femme, et ils veulent. Il y a des femmes. Vous voulez que je prêche? Mettez assez de cœur. Je vais dire une grosse bêtise. Je vous préviens en même temps. Tranquillement, tranquille. Il y a des garçons là, ma chérie. Même si tu as tes menstrues. Ah oui, il sait qu'il ne peut pas jouer dedans. Ma chérie, apprends à faire la pipe jusqu'à faire jouir ton mari. Fais pipe à un garçon, hein. C'est pas verser, cracher. Il y a des femmes qui font pipe et puis après sans cracher. Elles font pipe et après sans cracher, ma chérie. Fais une pipe là. C'est de commencer du début quand la fin. Juste quand ton homme te dit mon sperme veut sortir, tranc comme cela. C'est ça qu'on appelle rendre un homme bête. Il gâte même dans ta bouche. Là maintenant, tu peux aller verser. Tranquillement, tranquille. Il faut arriver à faire ça. Quand tu es dans tes menstrues, que ton mari dit j'ai envie de toi là, faut dire bébé, il y a trou et puis il y a trou. Ça là, ça remplace beaucoup de choses. Je vais te faire des choses aujourd'hui que toi-même tu as dit à femme et puis à femme. Tranquillement, tranquille. Il va gâter d'une manière extraordinaire. Il va dire oh yes, bébé, je t'aime. Vous pensez que quand les garçons qui, à chaque rue, ils sont là, bébé, je t'aime. Bébé, je t'aime. Quand il dit bébé, je t'aime, ils réfléchissent à ce que tu leur fais. Bébé, je t'aime. Bébé, je t'aime. Ils réfléchissent. Tranquillement, tranquille. Maintenant, vous aussi, les garçons, qui aimez qu'on attrape, on joue un peu à vos testicules là. Pardonnez. Apprenez à vous raser aussi. Apprenez à être propre. Mais moi, vous savez pourquoi j'aime laisser les garçons et puis attaquer les femmes? Parce que je me dis que c'est une femme qui rend un homme propre. Toi-même, tu sais que ton mari aime la pipe, ma chérie. Chaque semaine, fin de semaine, achète à la pharmacie, soit peut-être, comment on appelle ça, les gels qui te poilent, ou bien un rasoir, et puis rase ton mari. Rends-le propre. C'est la femme qui doit rendre un homme propre. Tu le rends propre, tu lui fais des choses bien. Tu penses que cet homme-là, il va aller au dehors. Aujourd'hui, toutes les femmes qui bassent les garçons, là, ça va où? Ça va où? Les basseuses et les chiennes, là. Vous bassez enfant de quelqu'un, là. C'est 3 ans, 4 ans. Après ça, là, quand il te voit, là, il te hait. Il te déteste. Donc, ça ne sert à rien à basser un homme. Viens t'asseoir et puis écoute vidéo de Lolo Beauté. Elle va t'apprendre comment basser un vrai homme. Tranquillement, tranquille. Arrêtez de faire manger aux garçons là, vos règles, vos menstrues. Vous pressez votre caleçon. Là. Oui, il va devenir une zomou, zomou. Non, ma chérie. C'est pas ça, on dit je détiens un homme. Faut détenir un homme de manière naturelle. C'est ça la différence. Ah oui, c'est ça la différence. Maintenant, vous aussi, les garçons, je ne vais pas vous rater. Parce que je suis à ma fin. Quand on vous met bien, là, vous les garçons, là, apprenez aussi à mettre la femme bien. Tranquillement, tranquille. C'est donnant, donnant. Le sexe, là, c'est je te donne, il faut me redonner en retour. Je vais vous apprendre qu'il y a des femmes, là, jusqu'à l'âge de 40 ans, elles n'ont jamais joui. Je suis étonnée. Il y a des femmes qui disent, Lolo, quand femme jouit là, c'est comment? J'ai dit, hey, wallah, bilah, je ne suis pas au courant de ça. Dans mon inbox, j'entends tout. Elle dit, Lolo, je me suis mariée avec un monsieur. Ça fait combien d'années? Mais ma chérie, ce qu'on appelle faire l'amour et puis aimer là, je ne connais pas ça. Mon mari est gaou, moi je suis gaou. Faut m'aider un peu. Asseyez-vous et puis discutez. Asseyez-vous, discutez. Deux gaou dans une maison. Il faut discuter. C'est très important. Ou bien suivre ces genres de vidéos-là. Oui, crème épilatoire. Il faut suivre ces genres de vidéos-là. Parce qu'une femme, quand tu travailles dur, surtout ici en Europe, tu t'en vas travailler, travailler, travailler. Le soir, tu rentres. Et puis ton mari est nul au lit. Ah, ma chérie. Non, je comprends pourquoi les femmes mettent bagages des garçons dehors. Parce qu'imagine une femme, elle a fini de travailler. Elle rentre à la maison. Et puis elle ne peut même pas jouir. L'homme l'est assis comme ça, bien. Ah ouais, c'est moi le boss de Paris, le choco des chocos, et puis dessus son téléphone. Pourtant, tu es nul au lit, mon ami. C'est très décevant. Une femme, quand elle n'est pas satisfaite, là, elle devient très nerveuse. Mon ami, moins de rire est insulte. Mais ne partez pas insulter vos hommes, non. Il faut causer avec eux, il faut leur dire ce que tu ressens. Ils vont changer.
Ma chérie, si tu as parlé, je ne vais pas changer là. Ça, c'est risque et péril. Tranquillement, tranquille. Je finis de bosser dur, je viens à la maison. Et toi, tu ne vas pas m'arranger. Il y a des femmes aujourd'hui. Je vais faire une petite parenthèse parce que j'ai fini de parler de sexe. Il y a plein de femmes ici en Europe qui cherchent des enfants. Ah oui. Vous cherchez des enfants. C'est. Souvent, il y a des femmes qui m'appellent. Lolo, j'ai lu dans une de tes vidéos que tu as médicaments pour faire enfant. Ma chérie, j'ai pas médicaments pour faire enfant. Si c'est le teint, là, je peux traiter ton teint. Mais enfant, là, je connais pas. Franchement. Parce qu'ici en Europe, on vous donne un petit secret pour dire qu'il faut boire demain, il y a un petit problème. Tu as dit c'est Lolo qui m'a empoisonné. Donc, je ne connais pas. Ma chérie, il y a des techniques et des stratégies pour prendre grossesse. Tranquillement, tranquille. Si tu as l'habitude de baiser avec ton mari, tu es tout le temps couché là. Change de position, ma chérie. Peut-être bébé qui veut venir là, il n'aime pas cette position là. Jumelle qui est dans mon ventre là, j'ai pris position debout cueillie. J'étais en train de me brosser, puis il y a plac, 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 plac derrière moi. C'est sorti jumelle, identique. Donc peut-être que cette position là, ah, les enfants aiment ça. Donc ma chérie, tu prends une position tout le temps avec ton mari. Enfant vient pas, change. Il faut changer. Peut-être ton utérus est mal placé. Ma chérie, même si c'est pour mettre ta tête en bas, tes deux pieds en l'air, il faut dire on va essayer cette position là aujourd'hui. Peut-être que ça va prendre. On ne sait jamais dans la vie là. C'est l'homme qui fait l'homme. Ma chérie, ce soir, change de position. On va essayer pour voir comment ça se passe. Tranquillement, tranquille. C'est ça qui est la vérité. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité, mais on va dire c'est un peu, c'est pour plaisanter un peu. On va vous dire c'est un peu. Change de position, bébé. Je suis fatiguée le soir là. Il faut dire à ton homme, je suis fatiguée de position. On est tout le temps couché sur le lit là. Franchement, même si la maison est petite, on n'a qu'à changer de position. Souvent, il faut faire le Johnson. Le Johnson, tu es au salon, tu cales tes pieds, il s'assoit sur ta chaise et puis vous êtes là. Il pa. Entre midi et deux, il pa. Peut-être qu'il y a des enfants qui n'aiment pas venir vers minuit. Ils aiment entre midi et deux. Donc, entre midi et deux, il faut dire, ah bébé, rentre du travail. On va essayer entre midi et deux là. Peut-être que mon ventre est bien chaud là. Ça va prendre. C'est important. C'est important. Maintenant, voilà un petit secret que je vais dire aux femmes. Parce que nous, les femmes, on aime trier garçons. Ah oui, je suis un garçon, il n'est pas trop riche, je ne veux pas de lui. Ma chérie, tu vas vieillir, tu ne vas pas faire enfant. Parce que nous, les femmes, on trie trop garçon. Oui, il n'a pas ce que je veux. Il n'a pas les moyens que je veux. Il n'a pas les Johnson, les pieds de banque, les héros que je veux, ma chérie. On ne trie pas enfant, on trie pas garçon quand on cherche enfant. Il y a une dame au Ghana qui m'a appelé. Lolo, je cherche enfant. J'ai dit, tu as les moyens. Elle dit, oui, il y a les moyens. J'ai dit, ma chérie, laisse affaire de homme riche là. Vous aimez trop. C'est-à-dire, le mouton aime se promener avec son troupeau. Laisse affaire de homme riche là. Il y a plein d'hommes pauvres qui sont prêts à te donner de l'amour. Eux, les spermes là, c'est encore très fort. Ah oui, c'est encore très fort. Va t'attraper. Ma chérie, même un petit fonctionnaire, si tu vois que toi tu as trop d'argent, il faut le respecter, il faut l'attraper. C'est celui-là qui va te faire ton enfant. Parce que lui, son sperme là, c'est encore frais. Il n'a pas trop mangé de manger chimique. C'est un gars où il a faim, il mange son garba chaud. Donc le sperme là, encore très frais. Va prendre un gars comme celui-là, il va te limer. Tu vas faire enfant vite. Je vous apprends, elle est enceinte. Tranquillement, tranquille. Ah oui, j'ai trop cherché un garçon qui a de même niveau que moi, de même classe sociale que moi, ma chérie, on ne fait rien ça. En amour, là, toi, tu peux avoir une femme, tu peux avoir des milliards, et puis tu peux prendre un homme qui a te respecté, qui n'a rien. Mais ma chérie, va te rendre heureuse. Arrêtons de trier. Arrêtons de trier. C'est les femmes vagabondes là, qui aiment trier. Ah oui, je veux garçon riche, ma chérie. Les garçons riches vont te taper, vont te donner maladie. À 35 ans, 40 ans, tu cherches un enfant, tu ne trouves pas. Tranquillement, tranquille. Un homme qui t'aime, tu vois en lui qui t'aime, même s'il n'a rien, ma chérie, il faut le prendre, mets-le à côté. S'il te respecte, tu as une bonne relation amoureuse comme cela. Tranquillement, tranquille. Aujourd'hui, j'ai envie de parler à mes soeurs. On trie trop garçon. Oui, si un garçon n'a pas l'argent, moi, je ne veux pas de lui. Tranquillement, tranquille, ma chérie. En tout cas, tu vas attendre beaucoup. Asso, tu vas attendre beaucoup.
tranquillement, tranquille. Le vrai amour se trouve à côté de toi. Celui qui va te faire du bien, il se trouve à côté de toi. Tu cherches quoi loin? Pourtant, le tout près est là. Tu cherches quoi loin? Tout près est là. Tranquillement, tranquille. Ah oui, celui qui a l'argent là, il a trop frappé à Oko pendant ses études. Il n'a pas eu le temps de trop chercher femme. Donc un garçon qui a trop frappé à Oko, l'esperme est faible. Quand ça rentre un peu seulement, au milieu de la route, il dort. Ma chérie, même pousser de trop, va faire son test de dépistage. S'il n'a pas sida là, faut dire tu es mon chéri à partir d'aujourd'hui. Je te donne seulement que 2 mois. Si celui-là, au moins le vendeur de Garba, mon chéri, on ne trie pas, il n'y a pas de sous-métier. Travail, c'est travail. Si celui-là n'est pas enceinte en 2 mois, il faut changer mon nom. Au lieu de prendre des millions pour aller chercher un enfant, là, ma chérie, il faut prendre un vagabond. Oui, un rienneux qui est à côté. Il va vite te faire le crapa. On appelle ça le cracabo. Il va chicoter ça, sa sortie. Et puis les garçons comme cela, les emmerdent pas. Oh. Les garçons comme cela, les emmerdent pas, ma chérie. Tu as pris un garçon que tu as lavé, tu as ciré, tu as mis à côté de toi là. Toutes tes positions que tu veux là, il va faire ça pour toi propre. Tranquillement, tranquille. C'est ça qui est la vérité, ça vous fait mal. Mais moi je vais vous dire la vérité. Tranquillement, tranquille. On ne trie pas garçon. Garçon c'est garçon. Tant qu'il y a nez en bas de lui, c'est un garçon. Il faut respecter les garçons. Ah oui, regardez-moi ce pauvre là. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Moi je vais en Europe, je reviens quand je veux. Toi, tu as venu me breaker. Toi, tu es qui, ma chérie? Peut-être ton bonheur se trouve avec celui que tu es en train d'insulter là. Va prendre riche. Il est tout le temps dehors avec les petites filles. Il ne va même pas te respecter. Je n'ai pas dit que c'est tous les riches. Oh. Je n'ai jamais dit ça. Il ne va même pas te respecter. Ma chérie, tu serais en train de pleurer dans la maison. En tant que tu t'es foutu de la bonne personne qui était à côté de toi. Tranquillement, tranquille, ma chérie. C'était Lolo Boteo. Tranquillement, tranquille. Vous trouvez, vous me critiquez. Vous ne me critiquez pas. Mais je suis tout le temps là. Il y a des gens qui m'ont critiqué jusqu'en vie. Elle est venue à Paris. Il paraît que ces produits-là, ça marche bien. Ma chérie, prends ton billet d'avion et puis viens ici. Que oui, il paraît qu'elle se pique des piqûres. Je vais t'apprendre que quand tu es enceinte là, ça ne peut pas trahir. Piqûres, tu ne peux plus faire. C'est le vrai teint naturel quand tu es enceinte là. C'est là on voit le travail. Et ma chérie, connaissez qu'on est. Gaou passe. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Tranquillement, tranquille. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment se mettre bien. Désolé pour ceux qui sont en carême. Je présente mes excuses. Je vous ai bien prévenu de vous déconnecter. Tranquillement, tranquille. Lolo, quand elle est inspirée, elle fait ses vidéos quand elle veut. Comme elle veut, tranquillement, c'est ma connexion. À bon attendeur, salut. Je vous ai mis assez de cœur avant que je ne raccroche. Vous avez aimé ce que j'ai dit là. Mais il y a d'autres qui ont venu jouer aux hypocrites. Oh oui, celle-là est trop vulgaire. Mon ami, que celui qui n'a jamais baisé me jette la première pierre. Vous êtes toujours prêt en train de juger. Au lieu de chercher à aller vous soigner vos cocos pour satisfaire vos femmes. Au lieu de venir écouter Lolo Beauté pour aller satisfaire ton mari. C'est toi qui es toujours en train de venir juger, ma chérie. Prête-moi ton mec. Je vais te montrer comment on pèse les couilles d'un homme. Et tu verras la vraie beauté d'une femme. Tranquillement, tranquille. Big up. Big up.